Everybody, listen to me, please. I'm gonna do it Vin Diesel style. I've been on this movie for the past 5 years, even more, 6 to 7 years. When I look at all this and I ask, people know I've been asking around, where did I go wrong? Nobody can tell me, or nobody allows himself to tell me. Anyway, I try to get out of this movie, because if I can't work, I'd rather be home. But I can't. I can't stop the fight. So I want to apologize. I want to apologize for what's coming next. I want to apologize for the mess that we're in with this movie, and that you have to deal with a director who can be a little crazy, but this is where I got my strength, and this is what the movies I do are like that, and are different from the others. I'm not Orson Welles. I'm not Steven Spielberg. I'm fucking Mathieu Kassovitz. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Tu ne peux pas commencer ce film sans expliquer le monde dans lequel on vit. C'est impossible. Pose-toi des questions sur la géopolitique qu'on veut. Après, on verra si on est d'accord et tout. Pas que ça, la géopolitique, c'est le rôle des États. On sait qu'il y a une zone libre, une zone sauvage, hein, pour être simple. La zone libre, on la connaît, on ne va pas faire l'année dessus. Si c'est qu'on veut y passer. Dans la zone sauvage, quelles sont les règles? On augmente ce qui se passe là-bas, ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, et on augmente ce qui se passe en Occident. On gonfle l'ensemble. Moi, tout ce que je voudrais vraiment, qu'on arrive à faire au niveau des effets spéciaux et au niveau de l'ensemble du film, c'est qu'on le prenne autant au sérieux que quand ils ont fait Terminator, tu vois ce que je veux dire, qu'ils prennent le sujet vraiment au sérieux. Parce que si on le fait que pour le fun, j'en ai lié 200 des films comme ça, c'est pas très intéressant. Ok, ça tourne. Le marché est pas mal. Bon, alors ta casquette est pas mal. Ouais. Là, je te félicite. Bonjour. Ah, t'avais pas vu? Donc Thierry Rabogast qui est avec nous au premier jour. Oh merde. Il y a une caméra? Ouais. Non. C'est relou. Ça va? Hein? Ah ouais, c'est la spionnette aiguë. Non, c'est parce qu'on va faire bienvenue sur le tournage, tu vois. 3 minutes par jour, on est sur un podcast, tu vois. The first time when I read the script, and then I said, wow, what's the budget of this film? And I said, no way. I was told what the limit was, but it was $60 million, and we did a budget for about $59.999 million, which was, you know, fine for what it was. C'était pas un sous-budget, mais c'était juste qu'il fallait être très malin pour pouvoir tenir ce budget, et qu'on n'avait pas beaucoup de parachutes pour pouvoir en sortir, mais qu'on savait que dès qu'on sortirait de ce budget-là, ça allait commencer à grimper très vite, donc il fallait tout de suite qu'on puisse éponger s'il y avait des problèmes. Mais on n'est pas sous-budgétisé à la base, on est juste limite. Il faut que tout roule bien. Et apparemment, pas tout a bien roulé. Quoi. It's pretty. This is too rich. Look at this. This is perfect life. It looks too neat. It's too neat. Make it rough, rugged. It shouldn't be anything like in a movie. Give me some regular stuff. Give me some regular stuff. I don't want them to spend money on shit like that. Give me some plastic ones. Et puis comme on tournait Europe de l'Est, qu'on avait vraiment un décor futuriste à faire qui était à la place de New York et qui était décidé depuis 30 ans, l'Europe de l'Est, moi je savais que je me débrouillais avec des néons et des échafaudages, tu vois, majoritairement. Donc ça m'inquiétait pas. The problem is that you have to begin at the very beginning with what are my restrictions? What can I do, what I can't do for this sort of money? Mathieu wanted this huge American square, which we in fact went to Montreal and we looked at a square. Then we decided to build it in Prague. Probably we built it too big, but you know, it, for the film, for the scale, that's what was required. That's why I'm saying, Selwyn, the New York shots, these are money shots for us, because this is where you get the universe.
This is where you get the world that we're describing. If we don't agree to get that kind of look, and if we don't go that to that extent, then we fall flat. Can we do this movie? Oh, we're gonna try. I don't know. This is the spirit of a Fox executive standing behind the camera. Maggio cares of it. An additional little problem was the fact that Maggio wanted to write a sequence about a man called Johnny, who was basically a local young punk gangster. And the opening sequence of the film was Vin Diesel going to see him and basically ripping his ear off. Action, Ben! J'avais l'idée du film d'un personnage qui était dans le scénario. On a enlevé des insultes pour pouvoir être PG-13, parce que c'est une condition des Américains qui disent, si vous voulez qu'on vous finance ça, il faut que le film soit PG-13 et seulement, maximum. Mais bon, je savais comment j'allais pouvoir faire une scène, la faire violente, et puis la monter moins violemment pour la version américaine, ce qui était prévu. Ce qui était tout à fait normal, au contraire. Moi, c'était mon but, c'était de jouer là-dessus, sur la différence de violence entre les deux versions, plus que sur la différence de montage. What's the Johnny situation? Johnny's situation is that I'm going to sell it to Fox tomorrow. Mm-hmm. We have to have that Johnny scene so that we fill in the 10 days, right? Mm. Yeah, so that's why we're saying that you prep it, because we're doing it. They're going to say yes, no problem. Mm-hmm. Et les mecs, quand on leur a ramené le scénario, ils disent, mais oui, mais... il y a du sang, on a dit qu'il fallait pas de sang. Je dis, ben, je vais vous le couper après le truc. Oui, non, mais vous changez pas comme ça, donc vous ne tournez pas cette scène. Je dis, oui, mais si je tourne pas cette scène, j'ai un mec qui marche dans la rue et j'ai un jour au plan de travail pour la tourner en plus, donc je l'ai, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai un mec qui marche dans la rue, il va nulle part, il va acheter un poulet. It wasn't in the budget, it wasn't in the script, it wasn't in the schedule, and the studio didn't want it, and the completion bond didn't want it, and already the film was probably running too long. I said to Matthew, can't do it, so he said, fuck you, and basically was destructive for a day. J'ai dit à Vin, on va pas pouvoir tourner la scène qu'on a prévue. Il dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Je dis, regarde le mec là, et puis quand tu passes, tu vas le chercher, puis sors-le de sa tente et puis braque-le comme si t'allais, tu te voulais qu'il te rembourse. You remember me? You sold me a gun that don't work. You almost got me killed. I want my money back. Ok, cool, we have it. Donc ça, c'était les deux premiers jours de tournage. Donc on se dit, bon, ben voilà, on sauve au moins un truc, on a au moins ça, tu vois. Et puis là, à partir de là, c'était ça tout le temps, quoi. Il fallait se battre contre les Américains et essayer de trouver des solutions pour améliorer, parce que nous, on a besoin d'améliorer le scénario constamment. Pendant que tu tournes, tu as besoin de travailler sur le scénario, tu as besoin de développer les personnages, tu as besoin de, tu vois, généralement pas les scènes d'action, mais plus les personnages, les trucs. Et puis là, ils ont commencé à bloquer, et puis... Give me some clothes here in the back. Books, everything. Make it alive, please. Give me some books, newspaper, things. Make it alive. Make it alive. Bring it to life to this place. Okay, I'm not coming back here before you get life to this place. Make it happen. I don't want to tell everything. I just want it to be alive. This is a set. There's a character. This is telling a story. So let's get it right. I'm coming back. I don't want to have to say every fucking thing. Il n'y avait pas une idée, il n'y avait pas un magazine par terre, il n'y avait pas un cendrier plein, il n'y avait pas tout ce qui donne de la vie à un décor quand tu arrives, tu vois, dans un studio et que tu as quatre murs en papier mâché. Ce qui fait l'affaire, c'est, je sais pas, c'est un t-shirt qui sèche, une assiette sale, voilà, de la vie, quoi. You like rabbit? Yes, you like rabbit? You like rabbit? Very good. What right. Bam! Okay. Yes? Okay. Yo, it's looking good. So you'll tie in all those beats?
donc c'est la première rencontre avec Vin Diesel, quand même la star, Vin Diesel et tout, on était comme des oufs, enfin moi j'étais comme un fou, et genre waouh, il arrive. Donc Mathieu et tout, moi prêt pour mes chorégraphies. Quand j'ai fini les premières versions en anglais, j'ai dit ça c'est Vin. Vin Diesel, il a la capacité en tant qu'acteur, je le savais, ça je le savais. Et puis il représente ça, quoi. Il représente le bourrin, tu vois, avec quand même une sensibilité. Il a une ouverture, tu vois, c'est pas le pur américain, mais c'est une représentation de l'Amérique. Bonne entente, bon feeling avec Vin. Il voit que c'est hyper béton, les accroches, les machins, il se dit putain, wow, c'est top. You can see him like waiting. So you gotta go like, he has to wait twice the speed. All the rest of it. All right, let's go again. Ce premier jour-là, il se passe un truc. Alors quoi? Je sais pas. Le lendemain, boum, froideur, mais ouf, entre eux. Déjà, les cascades du mur qui explosent, il n'est pas dedans. Boum ! On prépare des murs avec des trucs en chocolat dedans pour pas que ça blesse. De la mousse et des... tu vois ? Et ça t'amuse même pas de te mettre face à la caméra pour faire un truc comme ça en un seul plan, tu vois, faire un truc... C'est dommage, quoi. Mais je me dis, bon, c'est peut-être pas assez important ou c'est peut-être juste, je sais pas. Et puis en fait, c'était comme ça pendant tout le film après. Beginning. Yeah, well, that's all of this, yeah. Which is Slovakia. Yeah, exactly. What I'm scared of is... We didn't have time to rehearse any of the fights in Ostrava. Yeah, but we've taken that on, you see, that's why those additional days are there. Yeah. Okay. One thing that I wanted to say to everybody, I can get really annoyed when I come on set and I see that it's too late to change things. I can get really pissed, and you've seen me pissed, but this is nothing compared to where I can go. Get it done as soon as you can. Dress it as soon as you can, even if it's a week in advance, even if it's 2 weeks in advance. Dress it so I can come in, have an ID, get a better ID, change this, what about this color? Get some IDs. I need, don't give me stuff the last moment, give me way ahead so that we can spare money by not spending it wrong. It's done. I spent my first 10 days and all the advance that I had is burnt already, so now I'm behind. Okay. It's just, I don't want to fight anybody. No. And we want to make it look good. It's nothing, I know. Here we're going to have insects. Then we're going to have fish. Some fish there. We're going to have some robots to your right. We need to really make all this, like, when the camera goes up, like, what the fuck? On avait la possibilité de faire un film de 100 millions de dollars pour 60, quoi, tu vois, ce qui était vraiment le but, c'est d'arriver à faire des films un tiers moins cher que ce qu'ils font aux États-Unis, et mieux, plus intéressant. Mais ça, ça marche beaucoup avec du système D. Il est pas mal, leur truc. Mais ça, pour vraiment tourner, ouais. Oui, quand le mec il joue pas, c'est bien. Faut voir si les mecs peuvent sauter avec. Faut essayer, hein. On va passer au mec du parcours, voir ce qu'il dit. On va tu vois, je préfère que voir un machinot qui me dit, écoute, on va pas louer une technocrène parce qu'il faut 4 heures pour l'installer, mais je t'ai trouvé un truc, c'est une toute petite caméra au bout d'un manche à balai sur un truc, et tu vois, regarde les images que ça fait, tu vois, je dis, waouh, mortel, c'est vrai, j'ai jamais vu ça au cinéma, allons-y, tu vois. Subjective, like if the camera is on the side, go on the top. Get some overviews, get everything you can get, because tomorrow all this will be destroyed, so we need to get everything we can. Okay, give me more, I need more stuff. I said I want something closer here. Okay, so give me more stools, more space here, give me the right one here. Fucking 2 hours!
fucking block it and make me something I can hide on it. Give me clothes so I can work with the actors. Là, tu as une énergie sur un plateau, c'est... Tu respires, quoi. Tu te sens libre, tu te sens que le mec, il te fait confiance, il te regarde, il te touche la main et t'es prêt à tout lui donner parce que tu sens qu'il y croit tellement et que... Tu vois, t'avais un truc de prendre ta respiration en faisant le... Comme ça, qui est vachement bien parce que ça lance le truc, c'est super dynamique. Ça partait dans tous les sens, tout le monde était au taquet. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok. Right, stand by then, four of us. C'est lent les gars, putain, bougez-vous. Le plan est un peu dangereux, je suis d'accord avec toi. Je me suis dit, si c'est comme ça pendant tout le tournage, mais ça va être juste, mais... Ça va être génial, c'est le rêve que ça se passe comme ça. Hey, something's happening, she's on the run. Cette première semaine de tournage, c'était vraiment top. Ça a commencé à merder dès la fin de la première semaine de tournage. Bonjour, nous sommes exactement, je vais vous dire un truc là. Nous sommes le 10 janvier 2007, il fait une chaleur à crever dans toute l'Europe et on est dans la merde, il n'y a pas eu un flocon de neige depuis qu'on voulait faire ce film. Normalement, il devrait y avoir un mètre de neige, on devrait être par moins 15. Et Monsieur Kassovitz est furieux parce qu'il ne neige pas. Voilà. It's preloaded, but it's been there for 2 days. It's been wet, so the amount of dust which was there originally is gonna be less. You want you? A new one. Yeah. I don't want that. Yeah. Give me something. No, that's okay because that's something that it's easy to influence. I can make it very dusty if you want it. It's something that's very easy. So how much dust do you want? That's the question. As much as you can on everything. Yeah. All right. Okay. All right. Fill them in. Let's just do what we can do. Make it as big as you can. All right. Special effects going hot. Okay, here we go. Camera's up. Good luck, everybody. Here we go then. Roll, please. What happened there? Mais ouais, c'est parti. C'est parti trop tôt là. Mais ouais. Make sure everyone's okay, please. That was a bit premature. So maybe it's somebody like answer the phone. That's a possibility. Or somebody called somebody up. He was maybe close to because the line went all the way up there and down. Là, on a commencé à prendre 3 jours de retard dans la vue, et on s'est dit mince, ça commence mal. Allô, bam, oh, merde. La discussion avec Mathieu, la taverne, c'était un pugilat technique mais hallucinant avec un mélange. Il avait pris David Bell, donc qui fait du parcours. Et bon, David et sa petite équipe là, c'est des singes, c'est un truc de psychopathe là, ce qu'ils font. The stuff they're doing with the fight and turret, it's different. It's way different. I don't even want to tell my friends at home because I don't want them to copy it. I'm not telling anybody at home what they're doing. No. It's unfucking real. You'd never do that in America. Really? Yeah. I'm okay with it because I know who he is now. No, just to jump from here to there, you cannot do it. Oh, all of it. They are all over the place. Tout ce que vous faites, vous pouvez pas faire aux États-Unis. Un mec qui tombe aux États-Unis, t'as une doublure pour le genou, une doublure pour le coude, une doublure pour l'épaule qui tombe par terre. Et ça se fait en 3 plans. We go to the beach with them. Yeah. I want Vin to agree because I won't have time for him to question it when we're here. If he tries to change a bunch, I'm going to have one of my talks with him. We're going to get action, and that's the easier part of it. Right now, I'm just trying to get the momentum and you know, getting a real interesting scene. The reason is because it is not just an ambush. There is pertinent dialogue that happens. That's big, that part of it. It's very big, and I'm now, because we do have that dialogue, we have to protect that dialogue.
Est-ce que vous voulez, en restant là, que doucement, on se remette bien l'histoire avec les gens comme ils sont là, on se remette bien le bordel ici? Parce que des fois, tu sais, c'est mieux de voir que de parler. En fait, je me dis, Vin ne va pas faire de bagarre du tout. Il va faire juste la bagarre avec les quatre mecs, là, et puis, tu vois, il n'y a rien. C'est du bourrin, toi. Donc, j'ai dit à Michel, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Et là, le sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait, it's very good. You know what? I feel like a Chinese director. I want to take him to China and let him film there. I think he might have some fun in that sense that there is no limits, there's no rules, there's no regulations. We just get the job done. Okay, let's go. Action! Great on certain parts, it's chaotic on a lot of parts, but at the end of the day, you will get it done. Hey, cut. Plus facile le parcours. Parcours, it's easy. No, you're good. La technique de fabrication, de se dire on y va, on prend des risques, on s'amuse et on fait des trucs un petit peu, tu vois, limite, ouais, bien sûr. Ça, aucun problème. Vin, bien évidemment, ne s'était pas entraîné parce qu'il y avait des soucis, des machins, donc il est arrivé à Ostrava sans entraînement. Je faisais un cast que je pensais être des gens qui sont très participatifs, quoi, comme les Mélanie ou comme les Michel. Tu vois, qui veulent en faire, qui veulent tout ça. Voilà. C'est très rare de tomber sur un acteur qui ne veut pas faire les choses. Play, play. I want acting because this is too soft. Go faster. I need faster. This is too slow. Let's go. As soon as he's done, bang, grab him. I want him to fight. Make it strong, huh? As soon as you drop him, turn around, fuck him up and go. Fast, hard, safe, and act. Acting. Okay, let's go. Le mec est en conflit, il bloque, il trouve le moyen de venir me voir pour me dire « Alain, j'adore ce que tu fais. J'adore, I love you. » Total, hein. Mais je viens pas. Pourquoi? Parce que l'autre, il m'emmerde. Avant que Vin accepte de bien vouloir faire la bagarre, c'est-à-dire qu'on a essayé toutes les méthodes. Tout le monde est passé dans la caravane de Vin pour essayer de négocier quand même. Close the door, boom. That's all, you're here. Mathieu qui est rentré à l'intérieur. Et là, d'un seul coup, j'ai un Vin qui fait « Ouais, yes, putain, j'ai Vin Diesel et j'ai Mathieu Kassovitz ensemble. » Guys, guys, don't, let's not go too far. Je me dis, oh yes, bon, on a loupé 2-3 trucs, ça va commencer à envoyer. Allez, c'est parti. It was tricky. I mean, and again, you know, Mathieu almost killed himself doing all that handheld operating. I mean, it was like, you know. Jérôme de peur d'exploser Vin, donc sur 2-3 enchaînements faciles, sauf qu'à un moment on a un enchaînement où Vin doit tomber,
Alors on met un matelas par terre parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse mal, et c'est normal, c'est quand même l'acteur principal. Qu'il y ait des problèmes ou qu'il n'y ait pas des problèmes, la sécurité, la rigueur. Il fallait s'entraîner, quoi, c'est tout. Ça s'arrête là, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a Jérôme qui a voulu rattraper Vin, il a cogné dans le matelas, hop, il a eu un petit affaissement, sans lâcher Vin Diesel, justement, qui n'est pas non plus un bébé de 2 kilos, hein. C'est un bon bébé. Donc au moment où il a tenu Vin, plaf, il s'est fait les ligaments au niveau du genou et ça a pété. À ce moment-là, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais il s'en fout, de toute façon, Vin, il se fout de tout. Mais au fond, il était sacrément embarrassé par ce qui s'était passé, quoi. T'imagines la culpabilité, quoi. Déjà, il y avait des tensions qui commençaient à monter depuis quelques jours. Le tournage était déjà un petit peu moins léger. Bon, ben là, tu commences à rentrer dans un truc où on sentait que ça commençait à partir en sucette, hein. We came back from Ostrovar and it became more complicated, you know. I mean, the mood of the film got worse. We should have proper reunions to do that. This is a huge scene, and if we get into that scene without knowing what we do, like a month or so before, which is actually now, and we're gonna lose everything. And there was a pressure because certain preparation had not been done. I mean, in the Christmas break, work had not been done. I saw the interior of the submarine and thought it was appalling. So I changed it before Mathieu saw it, which was okay. Fuck! Holy shit! Just missed me! Who's up there? Who's this? That missed you by... This missed you by the... So that's the whole... Let's do the whole... That whole thing tomorrow. Mm-hmm. Somebody was going to... Looking at the... looking at the submarine for a bit, and then we go to do the whole... Moi j'ai dit très vite à tout le monde, j'ai dit il y a des gros problèmes les gars, il faut s'y adresser maintenant parce que je demande des choses depuis longtemps et je ne les obtiens pas. Alors je n'arrive même pas à obtenir des croquis de décor, je n'arrive pas à obtenir, donc comment vous voulez que je me décide sur des trucs si vous ne me donnez pas des croquis, faites-moi des croquis. What's going on? I'm waiting for a guy for security, he's coming with the key. Okay. Dans 2 semaines je tourne ce décor là, j'aimerais bien le voir. Puis les mecs, ils n'avaient pas commencé à monter le décor. Je dis, mais il vous faut combien de temps pour le construire le décor? Ben, il nous faut 3 semaines. Mais on tourne en 2 semaines. So if I say I don't like it, I say no, what? Because I haven't said no to anything yet, so it might be the beginning for me to say, start to say no at things that I don't like. Well, we have to try and find another location in the next 3 days. Let's do it here and I'll find something, I'll find a way. Let's bring the crane here and it's... Sinon on est mort, on va aller dans un endroit très loin, très compliqué. Okay. Restricted by the budget. We only had certain stages we could go into. We couldn't get in the stages. The skidoo race we couldn't do because the weather was bad. So therefore we were trying to find things to do. Il y a le sous-marin, on sait qu'on a une semaine de tournage sur le sous-marin, que je n'ai jamais vu le sous-marin. J'ai pas eu le temps de réfléchir pendant 3 minutes sur le truc, sur le décor. J'ai pas vu comment ça fonctionne, est-ce que c'est assez rapide, je l'ai pas vu. Mais il faut que j'aille tourner là-bas dès qu'on revient d'Ostrava. Action, go! Après le sous-marin là, parce que moi j'ai terminé là, après c'est il y a 2 jours de seconde équipe et puis donc vous montrez le décor de la salle de bain par exemple. Ah ben non, il est pas prêt. Mais il sera prêt quand? Ben dans 1 semaine peut-être.
You're telling me that we go all this way to Friday and then... And then what? And then we go for the hackers? No. And then what? At the moment, we thought doing cluster of pine trees and the death of Finn. The drones. Which would be 3 days. Week, the next week. If you put me in a situation where in 3 weeks we have to shoot the hackers and it's not there, we're dead. It's not you who's going to go back to Vin and asking him to say, okay, you know, playing chess with him. And that takes me out of that. That's my job, no problem. But I cannot do this and the rest with all the risk at the same time. It's too much. Vin is a big, not a problem, but it's part of the film, and we have to incorporate him as soon as we can, and we're late, and he's getting nervous, and the more we get into those action scenes and everything, he's going to question everything. They're already up there. People are pulling you. You're going down as you're going down. Keep moving up. We know that even though he pushed Rebecca and Aurora before him, it was at a cost of his own safety. We can ADR here. You want a little more of a fight before you get just okay? A little something. Okay, let's do it. We've now communicated. People should know what the fuck they're doing. C'était Brésil, quoi. C'était Total et Battle, quoi. C'était. Mais attendez. Qu'est-ce qu'on tourne la semaine prochaine? Il n'y a pas de décor. Donc, qu'est-ce qu'on tourne la semaine prochaine? Il n'y a pas de décor. Donc, on tourne rien la semaine prochaine? Non. Mais ça vous coûte une fortune. Oui. Mais vous ne tournez rien, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. Oui. Pourquoi vous rajoutez pas maintenant 500 000 pour pouvoir avoir ce putain de décor qui coûte pas cher, qu'on puisse tourner, au lieu de vous retrouver avec une semaine d'équipe qui va vous coûter 2 millions de dollars. J'arrive pas à l'imaginer en costume. Avec tout. Mais maintenant qu'on n'a pas l'aéroport aussi, c'est avec, pas... Ben, on a l'aéroport maintenant de l'autre côté New York. C'est-à-dire que motel, avion, aéroport... C'est normal que tu saches pas. Oui, motel, avion... Et après, aéroport, mais en plus petit, qui est juste le passage de la douane. Ah. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les essais de moulage pour mettre sur les casques. Mais pas sur les casques comme ça. Bah si. Mais non les gars, ah, on a des casques grands comme épais comme ça, moi je veux. Ah bah non, là depuis le mois de décembre déjà la production a dit que c'était impossible. Oublie la production, c'est moi le patron. Si la production te dit non, ça ne marche pas. Ça c'est des casques d'aujourd'hui, je ne tournerai pas avec des casques comme ça. Vous me donnez les casques comme je vous l'ai demandé il y a 6 mois. C'est-à-dire des casques fins comme ça, avec les plaques qui vont devant, qui se mettent comme ça. Je veux des systèmes électriques pour que ça puisse se descendre tout seul, avec des trucs. Je veux que ce soit bien fait. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Vous me le donnez. Je veux pas de design comme ça. Ça, vous pouvez vous les prendre. Vous pouvez les refaire. Vous me donnez les trucs que j'ai demandé il y a 6 mois. Si la production vous dit non, vous dites, le metteur en scène a dit oui. C'est moi le patron. C'est incroyable. Ça fait 6 mois que je vous ai demandé ça. Je ne vois rien et tu me dis maintenant que c'est des vrais casques. On a parlé de ça. On a dit vous me donnez des faux casques. On refait les vrais. On va faire des vrais faux casques pour les cascades des mecs qui tombent et on les réduit en CGI. Ne me plantez pas. Ne faites pas ce que vous voulez les gars. Vous me faites ce que je veux. C'est quoi ce délire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi peu organisé? À tous les postes, les costumes, la déco, le casting, à quel moment j'ai foiré moi pour... Ça te va? Ça te va? Non? Si, ça me... Tout ça me va, la neige, c'est sûr que c'est pas... On the ice, with Torup outside the tent, and they talk about their childhood, that's going to be the key scene in the whole movie. Really.
Now you write right now? I took a try at it. Matthew wants to change the backstory of Toro. Yeah. Make him like an American soldier. Yeah. Tricky. That's good. If you get that right, it'll be amazing. If. Action. Non mais c'est vrai, faut qu'on voit avant qu'on les tourne ces scènes d'extérieur et d'intérieur. Ah non, l'extérieur, on va aller le temps d'avoir. Là je suis allé voir le décor, c'est super beau, on est en train de monter le truc et on va prendre le temps de répéter avec Vin. Mais non, tu vas improviser, voyons. Non, parce que ça fait des mois que tu travailles ton anglais, tu vas pouvoir improviser. Le problème de Mathieu, c'est qu'on devait toujours, on était censé toujours réécrire les trucs. Le problème, c'est qu'il ne sait pas écrire comme ça, autour d'une table. On a fait un des rendez-vous avec Glace et tout ça. Hein. Mais on n'avançait pas, on n'allait nulle part. Parce qu'il aime tellement pas ça, les réunions autour d'une table, Mathieu, que si t'as pas le metteur en scène avec toi, bah t'avances pas. Et lui, sa manière d'avancer, c'est sur le plateau. Go directly to the ladder. Go down the ladder. So I run after. I'm here. You run after. Then you come in, you see that. You see, hey, baby, what's going on? Stop. The captain can take his gun, hold it at her, directly, and that's when you come in. Je suis pas bon à l'entraînement, je suis bon sur le ring. J'aime bien être avec des acteurs et sortir de nouvelles idées. Tu vois, si c'est pour réfléchir à est-ce que remettre en cause des choses et tu passes toute ta répète à expliquer des choses qui te paraissent évidentes et qui devraient déjà être la base de la, tu vois, du travail de l'acteur, bon, bah, tu perds ton temps. Maintenant, c'est des choses, même des trucs comme ça, ça se trouve sur le plateau. Puis il faut que le comédien fasse confiance, et, tu vois, et y aille. Yeah, I probably should have taken it. Their eyes meet. The thing is, this is my only chance to get out. Aurora, out of what? Tura, the Third World War. The Great War on Terrorism. The Big Flushdown. Whatever you want to call it. We've been shooting out of continuity today. The only continuity that we've all have in all departments is what we have shot. We walk onto a scene like this, we really don't know where the CDU is, we don't know where the wounds are, we don't know what the wardrobe is, we don't know what the makeup is, and we're left now with this. And with a scene that's going to speak to our audience and allow our audience to have some insight on why our protagonist goes on this journey in the first place. I talked to Selwyn yesterday. I said that we weren't going to be ready to do this scene. He begged that we try to get it going. I talked to Matthew. Matthew's obviously got the pressure to have to continue to shoot something. But where does it stop? We're in this together. We cannot lie to each other and go, well, if that's what they want to shoot, then let's go ahead and shoot it. It does none of us any good. Très sincèrement, à sa manière, il a expliqué que c'était pas bien écrit, que c'était imbitable, qu'on ne pouvait pas le jouer, qu'on ne pouvait pas y croire, en tout cas que lui n'y croyait pas, et que c'était pour cette raison-là qu'on n'allait pas tourner à nouveau aujourd'hui. Qu'il était désolé, mais qu'on était là tous pour faire un bon film. Et pas repartir chez soi le soir en disant « Oh là là, on fait vraiment un film pourri, quoi !» Donc il avait raison de réagir comme ça. Le problème, c'est qu'il y avait tellement un manque de communication entre Mathieu et Vin. No. 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 No, no. You get me bikes that I cannot get in any shop. You get me bikes that I've never seen before.
You get me bikes that are not in any commercials. You get me bikes that are totally out of this world, like these bikes, like the Strike, like things that are not, that I cannot see anywhere else. What about the wheels? The wheels, either I said fucking 6 months ago that you need to design them. Now you tell me what about the wheels and how to get them. It's not my fucking problem. We're talking about redesigning cars. I'm talking about making this future world work. I'm not talking about Band-Aids. Vin Diesel, who's not the dumbest of them all, I can tell you that. Because the guy fucks, he keeps on coming at me with ideas that I gotta say, man, you're crazy, but it makes sense. He's the first one who talked to me about, we have to stop for 2 weeks. Then I started to get like, man, are you crazy? Then I started to go like, might be right. But now I'm scared. But it's not gonna be long enough. It's not gonna be long enough. It's not that I'm scared of it, it's no, that I know. It's and everybody knows about it. Selwyn said that we should stop for 4 weeks. He's right. Je sais pas, on est vendredi. C'est le jour de la marmotte. On se réveille. On est au même décor avec le même. Where's the boss? Ça va? Ouais. Bon, alors qu'est-ce que toi tu as besoin pour ton montage? On est lundi 5 mars et après 2 semaines d'arrêt, le lundi du retour, malheureusement, on sait toujours pas ce qui se passe. Mais tu as rendez-vous avec Studio Canal aujourd'hui. Alors, this version, the first action is more on Mélanie, but we need you to be around. Yeah. Je pensais qu'il allait plus jamais revenir. J'étais désespérée. Je me suis dit maintenant qu'il est parti, franchement, il reviendra plus. J'arrive, c'est le merdier, mais il y a un truc qui se passe qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la place n'étant pas prête, le tournage s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une suspension du tournage de 3 semaines qui, normalement, doit permettre d'absorber le merdier, entre guillemets. Everybody needs to listen to everything I say so you don't miss a bit, so that you don't have to come back to me later on saying I didn't understand that. If you have something we don't understand, we're here all day to figure it out. On commence un travail en parallèle, c'est-à-dire qu'à la fois avec Mathieu, on travaille sur le scénario et le storyboard, et avec Alain sur tout ce qui est chorégraphie, style de combat. Jean, je bloque un peu. Et je tape. Oula. Il y en a un autre qui arrive par là. Là, du coup, il jette la flingue. Brooklyn Square, c'est la plus belle scène d'action sur. Ça aurait été, on va dire, sur les 3 ans ou 4 ans à venir. Là. C'est-à-dire que tout le monde aurait été, mais non! Ah ouais! Forget about what we shot. We shot the dirty part. This is where the future starts. And we need that future to be present and to be intelligent, to be good looking, to be everything it has to be. This is the only, only thing we have about the future. We've been trying to create cars that Mathieu wanted. We don't have the time and we don't have the money. All I can do is show Mathieu what we can do, and that's all I've ever done. So I know, and I know. You're not happy with what you've been shown. Not. So of do not. We? What do we do? That's not the movie I was supposed to do. You know, there is not one hint of futuristic element in this movie right now. Not one. Not one. You give me Peugeot cars here, you're killing the movie. You're killing the movie. I'm telling you. This movie now becomes a B movie because, oh, we don't have enough money or time to do something that we knew, everybody knew, we had to get right. Because unfortunately, most of the people that knew that at the beginning are no longer here because they've been got rid of, because they didn't do anything. And now it's come down to the people who are here now to try and salvage something. Yes, because that's what it is, it's a salvage job.
des smerts. Quoi? C'est une voiture normale, ça? Bah oui, c'est une voiture, c'est une voiture, c'est une voiture, c'est une voiture, ça. Non? Ah ouais, d'accord. Non, non, c'est une voiture qu'on aura. C'est une voiture qu'on aura. Ouais. On me proposait des Skoda pour faire les voitures de New York du futur et que je me dis comment je fais? J'ai toute une scène au milieu de voitures et je vais pas pouvoir les filmer parce que j'ai pas une voiture américaine, j'ai pas une voiture même actuelle. J'ai rien. Donc je suis obligé de faire des Skoda et tout ce qu'on a fait, c'est on les a peintes en noir pour que ça passe un petit peu à l'ouest et qu'on a tourné donc de nuit avec les réflexions sur les carrosseries pour essayer d'éviter la forme des voitures. This is the worst. This is so horrible. You know, I shouldn't be shooting. I should be saying no. This is not the future. This is nothing. It's nothing. It's just fucking horrible. You're trying to neutralize. I'm trying not to see any of these horrible cars. This is stupid. This is horrible. Horrible. Quand on fait un film, on assure le film auprès d'une compagnie. Si on commence à dépasser, il y a une petite case qui s'allume dans leur ordinateur avec un petit bouton rouge qui fait tac-tac, dossier numéro 127, problème, il dépasse de 100 euros. Ils appellent et puis quand ça dépasse de 1000 euros, ils envoient un fax. Quand ça dépasse de 10 000, quand ça dépasse de 10 millions, ils y vont. Ils ont une logique très simple qui est d'arriver, d'essayer d'aider le directeur et toute l'équipe technique à terminer le projet. Comme on dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que généralement, c'est les réalisateurs qui sont responsables des problèmes. Je dis, ben, voilà mon estimation de qu'est-ce que c'est que cette merde, voilà pourquoi. Maintenant, je sais que vous n'allez pas me croire, donc vous allez passer une semaine ici, puis vous me direz dans une semaine. Parce que moi, aujourd'hui, je veux que vous me viriez. Virez-moi, donnez-moi mon chèque, laissez-moi rentrer à Paris, j'insulte tout le monde et je suis le roi des Français. J'en rêvais, Mathieu Kassovitz. Ouais, regardez, il est vexé, il tape. Regardez, il va faire mal dans deux minutes. Je vais lui monter à la tête et il va être obligé de me taper. J'ai les couilles, hein. Parce que... Yes, sir. Ah, oh, oui, mon réalisateur. Hey, how you doing? Quand le Bond arrive et que Kenny, le deuxième réal, la première équipe, arrive, il y a un peu un vent contre Mathieu de la part des anglo-saxons qui en gros se disent on va reprendre le film mais lui mettre suffisamment de pression pour s'occuper de la caméra pendant ce temps-là. Fais gaffe, Mathieu, les voitures sont super bien rangées, il n'y a pas un chahut dans les bagnoles, il n'y a pas une bagnole qui est en débarqué. Arrête, Charlie, arrête. I mean, come on, I'm trying here to make the film, so what do we need to do to be ready, Alan? I think we're talking too much. Can we just see a rehearsal? Yeah, we're beginning. Can we just see a rehearsal? We need to shoot at 8:15. We need to shoot. Come on, go, Rafi. On est la veille du tournage. On est en train de faire des tests caméra avec Thierry Arbogast sur la place. Et tout d'un coup, je vois débarquer Vin Diesel, Kenny Bates, les producteurs du Bond, une tonne d'assistants autour de la place et de la sortie de l'appartement du début des marches. Donc première séquence qu'on devait tourner la veille. Et là, je vais voir ce qui se passe. Et je me rends juste compte que Vin Diesel est en train de raconter son film et est en train de changer la séquence. C'était une réunion d'écriture sans Mathieu. Ah, d'accord. Et paraît-il qu'il n'était pas au courant. Et c'est avec David, Paula, la script, Samantha, la sœur de Vin, Vin, Michel, moi et Kenny. Et Mathieu n'était pas là et soi-disant il n'était pas au courant. Et c'est Vin qui a remis en cause la scène. Comme le Bond est arrivé pendant cette semaine où je leur ai dit « Moi, je suis prêt à être viré, mais vous allez voir ce que c'est. » C'était la semaine où Vin est arrivé, les a pris en essayant de les retourner. On leur a dit « Voilà, il ne faut pas tourner cette scène comme ça, il faut la tourner comme si. » Et il faut réécrire, et il faut refaire des trucs. Et moi je dis « Mais les gars, la scène, elle est conçue comme ça, elle justifie tout ce qui vient après. Tout ce qui vient après est un truc super compliqué et storyboardé. Et si on ne le fait pas comme ça, il faut qu'on tourne ce soir. » And look,
Yeah, that's good. Well, if you go, it, wait till the door opens. It just keeps going, doesn't it? Especially the area. 3, 2, 1, 5. L'américain, il a fait Bad Boy, il a fait plein de trucs chauds, quoi. Donc faut l'écouter, voilà. Alors on l'écoute. Et ils ont commencé, puis quand ils ont commencé la scène, comme ils voulaient la tourner, moi je leur ai dit, bon, moi je sais pas ce que vous faites, donc vous vous débrouillez. Tu vois? Et je dis, Kenny, vas-y, prends la caméra et réalise. Résumé, c'est Kenny qui réalise, c'est Vin qui écrit, et il y a juste Mathieu derrière son combo. Quoi. Et après, on dit que le film est un film indépendant, non contrôlé par les Américains. Tu l'as fait ton plan alors ? Non, il y a des problèmes de grue maintenant. J'essaye de s'y résoudre. Ah merde ! Quel est le problème ? Je pense qu'ils vont penser que c'est moi qui sabote d'abord le groupe, la grue. Tout y passe. C'est vraiment un petit félon, comme on dit. Et c'est une soirée horrible parce que Thierry se retrouve coincé à devoir tourner malgré lui. Il veut absolument tourner ce que veut Mathieu. Mathieu ne veut pas tourner. Et pendant ce temps-là, les plans s'enchaînent. Les séquences qu'on devra de toute façon garder dans le film s'enchaînent. Et c'est pas l'histoire. Ah ! We catch it. Bah, tu vois, pas besoin de CGI. Tiens, tu fumes l'écran. Ah ! Ça brûle ! Une explosion! Ah, je leur ai juste dit que je tournais pas si Mathieu était pas là, quoi. J'ai signé un contrat avec Mathieu Kassovitz, j'ai pas signé un contrat avec Kenny, je sais pas comment. Et tant que Mathieu n'est pas viré, moi c'est avec lui que je tourne, donc on me fait pas tourner avec quelqu'un d'autre et je me fais pas diriger par quelqu'un d'autre. Alors c'est pas tant Mathieu a été sauvé par Mélanie que Mathieu est revenu à cause de Mélanie. Parce que je pense que Mathieu a son caractère et que voilà, je pense que Mélanie a bien réagi ce soir-là pour le faire revenir le plus vite possible parce qu'il aurait pu rester longtemps dans son coin à les insulter tous. Là, on peut repartir. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est bien. Sortir de celui-là. Boum, tu repasses de l'autre côté sur eux, sur le plan qu'on vient de faire. Ouais, c'est ça qu'il y a de moins. Je suis sûr que ça passe, hein, parce que c'est un moment, boum, ça s'arrête. Je me suis dit, soit je rentre à la maison et je peux changer de carrière parce que tu plantes pas un film comme ça. Malgré que j'avais toutes les raisons du monde pour le faire. Soit tu vas jusqu'au bout, tu essaies de tenir le maximum que tu puisses et puis tu fais comme à chaque fois, tu te débrouilles avec ce que t'as, quoi. On va se faire un plan ici, traveling. Well, the whole thing is you're on the crane too. You have the crane, I think we're gonna avoid the track here. Et l'idée, c'était que chaque personnage répondait à un style de caméra, à un style de mise en scène particulier. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où il y a eu à tourner avec 6 caméras, où il a fallu changer les chorégraphies d'Alain Figlars, où il a fallu réduire le storyboard, et bien toute cette logique, en fait, elle s'est effondrée. Et ce qui fait que la scène s'est effondrée petit à petit, inexorablement. Mathieu avait toujours imaginé que la scène devait se passer entre les voitures où moi aussi je donnais des coups. Et puis alors là, tout d'un coup, les Américains ne veulent plus que je me batte. Ouais, mais moi, quand je t'ai rencontré, ne sais ce qu'au mois de juin, quand tu me parlais de Brooklyn Square au mois de juin, il n'était jamais question que je marche. Il y a toujours été question que tu me dises que je fasse de l'aïkido, et que je fasse des trucs, et que je les fasse tomber. Et que finalement, on a fait cette scène de baston à 5h30 du matin, on finissait de tourner à 6h, qu'à 5h30 du matin, il m'a dit vas-y, on se fait un plan séquence super vite, on n'a pas le temps, on le tourne deux fois en deux prises, et comme ça, on l'aura rien que pour nous, au moins dans la version européenne. Are we ready? Ready, let's go! Let's go! Let's go!
Et ce plan schématise exactement tous les problèmes qu'il y a pu y avoir sur le tournage de La Place. Tout le monde voit que c'est bien, sauf l'équipe américaine et Vin Diesel qui doutent, mais qui à ce moment-là ne sont pas en train de douter du plan, mais sont en doute de la façon dont le film se fabrique. Donc ils sont en négociation sur tout, et ils sont en train de demander « Est-ce que vous êtes sûr qu'on doit faire ça, qu'on doit faire ça, qu'on doit faire ça ?» C'est un peu frustrant, quoi. Tu te dis « Bon, bah, c'est dommage que ça se finisse comme ça, quoi. » And cut! Cut! Stop! Listen up, everybody. Thank you very much for working on to help us get the shot. Tough bunch of people. The Easter Bunny will come and visit all of your houses. Thank you very much. In the end, it's Mathieu trying to realize his dream. And that's what he wanted to do. And he'd had it for a long time. And therefore, you know, he has every right to try and achieve it. Now everybody must see, has he achieved it or not? That's what happens. Je suis à 50% du film que je voulais faire. Je ne veux pas te dire que je suis super content. Non, non, non. Non, le film, il est marrant et tout, c'est bien, mais c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Pas du tout, du tout. When we finished watching the movie, both Mathieu and I went, oh! But you know, there were so many things happening in the film. There were so many different styles, and it was very difficult to, because you know, there's the parkour, then there's Jerome, there's Vin. Ce qui est toujours un peu dommage, c'est de se dire que les gens se sont pris la tête, les gens se sont mal compris, mais parce que tout le monde avait envie de faire un bon film. Mais personne ne le fabriquait de la même façon. Vraiment, celui-là, je cherche, et j'attends encore qu'on me dise où j'ai déconné, quoi, vraiment, dans le fond. Parce que... Paradigm shifts.